avant que cette vidéo commence, c'est que en fait, comme vous savez, bientôt, c'est la fin de l'aventure ultime, extrême et incroyable de Far Cry 5. Oui, parce qu'en vrai, il nous reste plus qu'à tuer. Je vous dis tout de suite, il nous reste à tuer Jacob Seed. Et après, on s'occupe de Joseph. Moi, je sais pas, le dernier, quoi, le père, quoi. On s'occupe du père direct après. Donc voilà, en gros, c'est bientôt terminé. Du coup, il faut trouver une nouvelle série. Et du coup, on va commencer, dès que ça sera terminé, une nouvelle série d'épisodes, une aventure. Après, elle va peut-être durer hyper longtemps. Ou elle va peut-être durer juste 2 épisodes. Bon, peut-être plus, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 50, ou peut-être même 100, mais non, peut-être pas 100, mais bref, faut voir, ça dépend de combien ça sera et combien l'aventure continuera. Ça sera une aventure, vous demandez sûrement ce sera quoi, donc je vais vous le dire, ce sera peut-être mieux. Ça sera sur GTA 5 RP, et je dis bien RP, parce que tout le monde me dit, pourquoi tu fais pas une vidéo GTA 5? Mais non, moi je veux faire du GTA 5 RP. Donc en gros, je vous écoute en faisant le jeu, mais pas le même titre, tu vois. Donc voilà. Donc ce sera une aventure sur GTA V d'un personnage que j'ai inventé, qui fera une vie et qui se reliera à d'autres aventures d'un autre type de jeu plus tard. Donc voilà, c'était tout. A plus. Bonjour à tous et à toutes, c'est Cochon de Feu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on est sur Starfall Land, on est où là? Bref, on est sur l'ombre de la guerre. Attends. On est sur la terre du milieu, l'ombre de la guerre. Un jeu de combat, d'aventure, de gameplay, de folie, de magicien, de trucs, de bazar et. Et plein de machin chose hein. Difficulté, on s'en fiche. On va être normal, moi je joue qu'en normal. Normal c'est bien parce que c'est la difficulté que le jeu voudrait qu'on soit de base. Parce que quand tu mets facile, c'est nul, c'est trop facile. Quand tu mets difficile, c'est chiant parce que tu te dis c'est trop facile, c'est trop difficile. Bon, ça dépend, en vrai, ça dépend des jeux. Il y a des jeux hyper difficiles en difficile et des jeux en difficile, c'est normal quoi. Bon, après, moi personnellement, j'aime bien normal. Des fois c'est dur, des fois c'est facile, des fois c'est trop facile, des fois c'est trop dur. Ça dépend en fait, mais il n'y a jamais de truc chiant. Salut, Normal, c'est voici bien. Bruce le Trancheur. Ok. Si tu n'y as pas joué, espèce de pauvre femme, voilà ce qu'il faut savoir. Il y a un type là, le seigneur des ténèbres. Sombre pour les intimes. Le gars le plus puissant du coin. Il voulait conquérir toute la terre du milieu avec son armée d'orques. Mais il tient nous pas. Il a tenté de l'arrêter. Il n'a pas aimé, alors il l'a tué. Talion. Quoi? Ce gars, eh ben c'est toi. Enfin, le truc c'est Talion, il n'est pas resté mort. Tu vois, il y a aussi ce seigneur elfe. Il y a des lustres et qui a fait des trucs avec Saul. Une histoire d'amour. C'est chaud. Talion, Talion laisse l'elfe vivre dans son corps et ensemble, ils deviennent le seigneur de l'univers. Enfin, ça veut pas dire que c'est une lumière. Une arque. Je sais, Talion. Bref, le seigneur de lumière affronte le seigneur des ténèbres. Et quoi de mieux pour vaincre le seigneur des anneaux qu'un anneau créé par son corps? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je pourrais t'en dire beaucoup plus. Mais tout ça m'a donné envie de briser quelques crânes. Oh, y a rien de mieux que la victoire, pas vrai? À plus. Ok. Appuyez sur commencer. Allez, go! Ah, en fait, j'ai vu Gollum, donc on est dans Hobbit en fait. Je pense. En fait, je sais pas. Je me suis pas renseigné sur le jeu. Mais bon. J'ai vu ça, donc je me suis dit. Waouh, c'est un méchant en fait ce truc. Ah, j'avais pas capté. Je crois que c'était un pote. Il nous parlait comme si on se connaissait depuis 5 ans quoi. En gros, je suis un demi-démon, moitié bourré, qui vend du pâté dans le quartier quoi. Donc je vais défoncer tout le monde comme d'habitude. Parce que je suis un demi-dieu quoi en gros.
Scamp D quoi, à chaque fois je suis à demi-dieu donc ça absolve. Regardez, je vois même l'enfer devant moi. C'est quoi ce saut complètement épique? Eh, hey, orc! En vrai, j'aurais trouvé un orc. Mais je le croyais mort! C'est le cas! Talion, là. Le Saint Arc, il vous guidera et vous protège. J'ai pas besoin de savoir, je sais déjà manier un arc, t'inquiète, je passe dans le game. Maintenez. Escatchak! Yeah, yeah! Bim! 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 Et le petit dernier, bim! Bim! Oh yo, tu fais mal toi! Tu vas te calmer, hein! Tu vas te calmer, Joe! C'est pas possible ça! Juste parce que t'as un orc et moi je suis mort! Ils sont tous racistes avec les morts, c'est pas possible! Non, je suis à demi-mort! Attends, je vais reprendre les flèches, viens. Hop, je reprends les flèches, j'ai la mort! Wouh! Oh, ça fait comme Assassin's Creed quand on nous repère. Ouais. Oh, c'est comme de Far Cry 5, il y a de la drogue. Voilà. Ouais, j'aime pas l'arc, je préfère faire des combos de la mort qui prennent feu et qu'on meurt tous. Mais je suis immortel, quoi. D'où je suis déjà mort, comment je prends feu, t'sais. Pas logique, quoi. Wow, stylé. Ya, tu crois? Oh, un ninja et tout, mec. Hop, 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 hop. Hop. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Mais il meurt jamais, en fait. Ah, c'est bon. Ah, bim. Oh, le combo. Il a pas vu sa vie. En fait, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse pour interroger un... Vous quittez la zone de mission. Ah. Va parler à Wilfried Sombrage, le grand haut roi de bord de ciel. Ah mince, c'est dans Skyrim. C'est, en fait, j'étais en train de parler comme ça et je me disais, mais c'est dans quel jeu que j'ai vu ça déjà? Et je me disais, ouais, c'est un jeu vidéo ou c'est un film? Et il dit, en fait, non, je viens de capter que c'est dans dans Skyrim. Ah, yo, mais what, il est hyper fort. Non, il m'a bouffé. Wow, l'esquive! Tu vas pas commencer à me saouler, toi! Bim! Bim! Oh, je lui botte les fesses, là, il comprend rien à sa vie! Allez, rentre chez ta mère, là, tu vois, comme ça me saouler! Purée! Possible, ça! Les gars, il y a combien de gens à tuer? C'est abusé. Je peux pas tuer toute l'armée quand même, hein. On est en combat épique, je sais que je suis un demi-dieu. Mais quand même, faut pas abuser. Moi, je suis un demi-dieu. Je suis immortel surtout. Ouais, on se barre là parce que je sais pas. Ah, faut que j'interroge le gars. Donc depuis le début, je devais l'interroger, je tue tout le monde, moi. Je dois t'interroger. Dis-moi où est ton maître. Je suis le dieu cochon. Pour obtenir un renseignement, toi. Oh, ça me rappelle un jeu. Oh, purée, je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi comme jeu. Bah justement c'est ça. Nous devons bâtir une armée. Ah. Plein de guerriers. Nos guerriers. Les mecs que j'ai tués tout à l'heure. On va aller là-bas. Il a l'air d'avoir un peu plus de monde. Attendez, il y a un truc là. Ça m'appelle comme la mort. Discret. Ah, c'est quoi le gros truc rouge au vêtement moche là? Du coup, si j'ai bien compris, pour dompter les gens et les chevaucher, faut que je fasse rond. Enfin, pour les acclimater. T'inquiète, j'ai tout compris à ce jeu. Le Mordor. Donne-moi ton âme, jeune soldat. Donne-moi ton âme, jeune Triseau. Donne-moi aussi ton âme, jeune débile. Et rejoins l'armée du dieu cochon.
Et toi le trésor, toi j'ai pas envie que tu rejoignes l'armée, désolé. Tu n'es pas digne d'être un soldat. Trophée. Trophée. Mais avec le moins discret au monde, vous imaginez quand même. Allah Wakba. Allez, let's go. Mais saute là, on s'en fiche nous. On est des mêlèdes nous. Rejoins-moi. Non, je voulais pas le tuer, je voulais pas le tuer. Allez, voyons les masses. De quoi tu es capable? Je voulais juste prendre son âme en fait. En fait, j'ai tué toute son armée, comme ça je pourrais le capturer lui. Celui, il a l'air hyper bien. Alors que les autres, c'est des bons rats de fainéants. Je vais reprendre un peu de vie les gars. J'ai bientôt tué toute son arme et je pourrais bientôt le dompter. Parce que lui c'est un peu comme mon deuxième soldat quoi. Faut que je prenne son âme. En fait faut que je l'affaiblis avant de prendre son âme ou quoi. Je pense que je vais le défoncer comme ça je pourrais prendre son âme après. Donne-moi ton âme là! Donne-moi ta puissance, ce qu'on fait! Rabaisser, réduire au niveau, combat à mort, recruter. Moi je le recrute! Ah oh, je pèse dans le game, hein. Seigneur cochon. Bon maintenant on va dompter tout le monde et on va défoncer le dieu. Alors maintenir pour menu armé. Mais en fait on voit rien de chier moi. Lui là, ah lui c'est sûr je vais le défoncer lui. Non 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 non. Allez mais bouge là j'ai pas du tout envie de te parler. Donc c'est pas que t'es chiante mais... Je veux des détails sur cet homme. Marqué cible. Nous allons le dompter, mes frères. Bon, on y va. Comment ça va, Talion? Bien. Tu t'agrandis déjà. Splendide. Tu veux un conseil? Prends ce gars-là comme garde du corps. Quiconque veut parcourir tout le Mordor a besoin d'un coup de main. Enfin, pas moi. Évidemment pas. Si un jour je me retrouve à avoir besoin d'aide sur le champ de bataille, je me tranche la gorge. Mais toi, il te faudra bien quelques gros bras. Pas de quoi avoir honte. Ok, le mec est en train de m'insulter ou il m'aide? Un peu des deux, je dirais. Ouais, on va dompter un autre gars déjà. Toi, t'es à côté, toi. En fait, je comprends pas. Là. Marqué cible. On l'a déjà. C'est bien. En fait, je m'en fais. Je veux juste le dompter. Donc, il est où? Je vais dompter tout, pratiquement toute l'armée. Toi par contre je vais te dompter direct. J'ai besoin de petits larbins qui crèvent avant mes grandes troupes. Attends, ça te zonk ça ou pas? Je pense qu'il faut que je l'affaiblis parce qu'il est un peu beubeu. Il faut que je le tue d'abord. Et après on discute. Ok, il est indestructible, je me casse. Il est trop fort. Et il m'agresse par derrière. Il croit que je l'ai pas vu. Ouais, en vrai, il est trop fort. Hein.
Je voulais pas le tuer en fait, je veux juste le dompter. Toi, je vais te dompter pour ton âme de mortel. Rejoins mon armée, esclave. C'est vrai qu'il faut que je recrute une armée de ouf si je veux tuer le chef des Trisols. Lui est déjà dompté, qu'est-ce que je fiche l'eau? Toi, Vronte. Attendez, y en a que j'ai pas encore dompté, je sais pas. J'ai envie de dompter une grande armée, donc j'ai pas envie de les tuer, vous voyez. Oh, attendez, là, par contre, pour dompter tout le monde, c'est chaud. Toi, oh, il est gros, lui. Ah, si je le dompte, il va défoncer tous les autres. Vas-y, tabasse-le. Oh, le gros truc que j'ai dompté, c'est abusé, mec. Non, par contre, le gros, là, je voulais le dompter. J'ai complètement loupé ma vie. J'ai recruté son âme, ou quoi? Ah ouais, il fait mal lui, par contre. Je vais me barrer parce que là, c'est trop dur. Oh le vache, les esquives de ouf qu'il faut faire. Ah ouais, mais ils sont où mes soldats là? Tu vois, ils sont tous en train de... A chaque fois que je recrute des gens, ils crèvent. Ça sert à rien de recruter des mondes en fait. Enfin, du monde plutôt, parce que des mondes... En fait, je pense que ça sert à rien de recruter les petits gars, les gars. C'est juste pour nous couvrir, c'est des trucs comme ça. Par contre, là, j'ai toujours pas compris comment les tuer. Ils sont immortels. Genre le balance. Je vais tuer ça là. Les petites bêtes là. Tu vois, je suis mort. Starfallé! Et là, je t'attends! Purée, c'est trop dur en vrai! Hein. Ok. Quoi? Le mec? Direct quoi? Il est devenu chef? Wow, t'es abusé mec, il est devenu chef direct. Grâce à moi. Lui on va le défoncer lui. On va passer par le haut, comme ça on aura les archers avec nous. Et les archers c'est bien, ça défonce le bas. Enfin si on peut. J'ai l'impression d'avoir combattu 100 ans. J'espère que tu ne sauras jamais ce que ça fait de combattre. Non mais what? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je veux le dompter. Donc le discrètement.
sans rien, on dompte les orques, nous on est des malades. Il y a un gars qui nous a vu, là on va se cacher. Toi t'es gros toi aussi. Ça me rappelle Warcraft un petit peu. Où Gul'dan là il prend l'âme, l'âme des ennemis là. Je suis en feu les gars, je suis en feu. Toi, t'es le plus fort, t'as survécu le plus longtemps. Rejoins mon armée. J'ai localisé ma cible. C'est quoi ces trucs là? Ils vont me choper ou je peux barrer comme ça tranquillement discrète pour laisser tomber quoi. Non, mais moi je veux le défoncer le gars, attends. Il a tué mon âme là. Toi le moche là. T'es tellement moche que j'ai envie de te tuer. Tiens, crève. En fait, j'ai vu, ça sert à rien de les recruter. C'est à chaque fois que tu les re... Alors, on le menace de mort, qu'est-ce qu'il va dire? Là, ça va être un combat d'orques. Normalement, gagnant gagne l'armée de l'autre et son village. C'est un duel, quoi. Terminons ce que nous avons commencé. Quoi? C'est moi qui lui parle? Disent tuer ce... tuer les sauvages de Parc l'Amical. Oh, je tue tout le monde, moi, je m'en bats. Alerte personne, crève. Et toi rejoins mon... Derrière moi il y a un mec. Parce que là vous êtes tous chiants. Mais t'es qui toi? Vous me laissez bosser tranquille. C'est que ça, c'est un chef, j'espère. J'ai envie de défoncer un chef. Est-ce qu'il y a un chef dans ce pot là? Vous allez tous crever. Vous me saoulez, purée. C'est chiant, c'est pas possible. Vous êtes tous énervés, en vrai. Vous êtes vraiment des gros brutés. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? Taper? Moi aussi. C'est bien, on est dans la même alors. Ça m'énerve. Regarde, en plus, le pire, c'est qu'ils sont toujours 1000 contre 1. T'sais. Ils peuvent pas se battre noblement 1 contre 1. Non, ils sont obligés d'être 200. Juste parce qu'ils sont nuls. C'est pas de ma faute si vous êtes nuls, les gars. Hein. Mais battez-vous un peu plus noblement, c'est pas mon problème. Et même s'il me tue, il me tue pas noblement, donc ça sert à rien de me tuer les gars. Je vous l'ai déjà dit. Regarde-moi, hop, je tue une armée tout seul. Mais quand il y a un chef hyper fort, un boss de ouf là, défoncé, plus son armée de malades, immortel. C'est quoi ça en fait? Un gars tué j'espère. Complète règle. On l'a pas déjà tué lui? Chef d'avant-poste, on commence. J'ai envie de te défoncer, tu m'as énervé.
Allez, fight! J'espère que j'ai déjà tué toute ton armée, si c'était bien ça. Niveau 22, ça porte bonheur. Alors là, à niveau 22, il est obligé de crever. Parce que là, ils m'ont vénère. Alors, si je le tue pas... Si je le tue pas, je sais pas, cette vidéo sera toute pourrie. Si je le tue, on pèse dans le game, ok? Je prends ton énergie, toi, je sais même pas ce que c'est en plus les cubes. T'es là! Eh, je suis là! Je veux t'attaquer devant moi, hop! Oh ouais, non, il est déjà hyper fort. Ouais, le truc c'est qu'ils sont déjà hyper fortes, c'est dès le début. C'est abusé. Mais what, mais je sais même pas comment le battre en fait. Attendez, je reviens, je sais pas en fait. Parce qu'ils sont déjà une armée de malades. Donc déjà c'est pratiquement impossible de tous les tuer. Regarde, il va déjà me tuer. Attendez, ils sont trop forts là, je me barre. En fait, je sais pas, je suis niveau combien, donc j'attaque un peu n'importe quoi. Là c'est bien comme terrain. Là j'aime bien, il est beau. J'aime bien mourir ici. Si je meurs, je veux un max de pouces bleus et plein de gemmes. Et abonnez-vous parce que là c'est d'abord des quoi. Ne meurs pas, soldat, en fait. Oh purée, c'est chaud, mec. Oh, j'ai dû faire un combo en fait, j'ai pas compris ma vie. Ah non, vas-y, déjà. Ouh, la chance. Allez, hop, esquive. Oh non, mais what? Mais t'as vu cette armée? Mais c'est abusé. Mais c'est abusé comme jeu, en fait. Regardez. C'est quoi ce carnage? Je suis niveau combien, en fait? Si vous pouvez me dire dans les commentaires, je suis niveau combien, ça m'arrangera, parce que je vois pas mes niveaux, en fait. Ah, je suis niveau 20. Attends, c'est moi niveau 20 ou c'est le quartier? Ah. Bon bah alors on va dire grâce à nous. Attendez, il y a des chefs de guerre inconnus. Il est devenu chef de guerre. Non. Ce qui est bien, à chaque fois qu'on perd, il y a un mort. C'est déjà ça qui est bien. Après, grâce à nous, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 personnes en promotion. Grâce à nous. Alors, c'est pas pour être méchant, mais on est gentil quand même, non? Bon, après, il y a le seul qu'on a réussi à recruter, c'est le plus gros. C'est lui qui fait le plus peur. Mais c'est... Après, j'ai pas vu combien j'étais de niveau, mais je suis sûr que je suis niveau 20. Bon bref, du coup c'est trop dur. Je sais pas quoi faire. Starfall là, j'avais fait triant. Mais what, c'est immortel ces bestioles, c'est abusé. En vrai, moi ça me saoule ces trucs là, en vrai. C'est chiant. C'est abusé, c'est tellement chiant en vrai. Ok, il me bouffe comme ça au calme. Truc normal. Quand j'en rêvais, tu faisais beaucoup plus de bruit. Mais maintenant c'est trop tard. Même Tars ne peut pas faire pousser des cris à un cadavre. Oh mince, il est devenu chef du gars qui m'a encore qui m'a tué la dernière fois. Fait, ça va être une famille, c'est, ils vont s'entretuer. C'est ça, il va devenir chef. Ah ouais, il est devenu chef maintenant. Ah mais... Bah c'est bien, comme ça il tue d'autres personnes, comme ça il y a moins de personnes à recruter. C'est pas mal.
Lui, on va le truc et le vol machiné. Ça va être pas mal à le défoncer parce qu'il est. On est où là encore? Et. C'était une erreur. Nous avons fait trop. Avant-poste de Zanazui Zing. Commencez. Je vais t'apprendre le sens du mot sauvage. Il est stylé lui, ouais. On fait pas de prisonniers, on s'en bat les. On s'en bat les couilles. Ouais. Je m'en fiche complètement, je tue tout le monde. Putain, on est un rat, tu sais, qui tue tout le monde, quoi. Donne-moi ta puissance, truc rouge. Non, je suis là, les gars. Bim, 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 high kick, wood kick, c'est pas le chef là, tant que je suis en train d'affronter. Je viens de capter que c'est. Attends, lui. Ouais, attends, mais du coup, je dois le tuer après. Donc, déjà, faut que je tue les autres. C'est pas un chef lui aussi? Ah non, c'est un sauvage. C'est ça, c'est vrai. Donc, c'est les mecs qui perdurent là. Il faut se mettre accroupi et tout pour les défoncer. Sinon, t'es dans le caca parce que là, je suis en train de me faire défoncer en vrai. Allez, j'appuie sur toutes les touches en vrai, c'est abusé. Mec, la vitesse où à laquelle il faut jouer si tu veux pas que je me fasse défoncer. Allez. Enfin, si je veux pas me faire défoncer parce que je parle tout seul là en fait. Mec, je suis en train de taper dans tous les sens, esquiver à chaque fois. Parce qu'en vrai, vous voyez pas, mais il y a pas toujours des gens qui disent triangle, faut esquiver parce que des fois faut esquiver tout seul. Savoir esquiver tout seul, c'est une magie. Non, 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 non. Et là, si je me fais défoncer. J'esquive. Oh la chance! Parce que mec, je me suis fait défoncer. Il n'y avait plus de vie. Ouais, je vais pas assez vite pour les turvettes. Ah ouais, ils sont trop forts. C'est chaud! Mec, toute l'armée de. Quiche! Grosse 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 quiche! C'est ce qu'ils auraient voulu! Grosse quiche! Grosse quiche va m'affronter! Et déjà, je tue toute son armée. Et pourquoi il m'attaque pendant qu'il y a l'armée de ouf là? C'est la première fois que je vois ça en fait. Mon combat épique, merci. Ouais, esquive, esquive, high kick, hop, 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 hop. Ah, c'est chaud en vrai, mec. Je sais même pas si je me bats, attends, hey, hop, il faut quand même que je me bats un petit peu. Bah ouais, mais attends, t'as vu l'armée d'ouf que t'as aussi? Attends, le mec, il est bien gentil, lui. Toi aussi t'es lent, je dis rien. Où lui? Oh lui il m'a saoulé. Aïe. Bon bah je l'ai saoulé aussi apparemment. Ah mais en fait ils sont trop forts, c'est abusé. En fait je crois que je suis allé dans une tour où fallait. C'était pas mon niveau quoi. Attends c'est pas. Grosse quiche. Non grosse quiche, fais pas ça.
Le mec est hyper fort quand même. Ah putain, en vrai ils sont forts, c'est abusé. Je crois que c'était des nuls, c'est ça se tuait facilement, mais non en fait, ils sont hyper forts. Si quelqu'un d'autre avait ce pouvoir, son empire s'effondrerait. Mais... what, what? Mais les mecs ils sont hyper forts, attends, il est niveau combien lui? J'attaque direct des gros des forts aussi, attends c'est... Franchement dommage. Cher de miel, les fils d'Ortan qui ont demandé ta présence à un tracker tribus fauve. En ton honneur, il me revient en tant que membre le plus récent de t'escorter là-bas. De préférence en vie. Mais ton cadavre sera aussi acceptable. Disons que les goûts de notre association sont particuliers. Alors toi tu peux être sûr que je vais te tuer. Tu vas crever. Toi tu commences à me saouler depuis tout à l'heure, je me fais victimiser par tout le monde dans le quartier. Parce que les mecs, je les attaque et en fait sont niveau 2000. C'est abusé. De chez abusé. Moi je voulais juste m'amuser un petit peu. Toi tu commences vraiment à m'énerver toi aussi le gros sac là. Quoi, je suis tombé. Ouais, je suis bloqué. Ah, ils ont fait des pièges, ils sont hyper intelligents, c'est abusé. Attends, il y a un piège juste à gauche là, fais gaffe. Rôdeur, c'est qui Rôdeur? Me dites pas que c'est moi quand même Rôdeur. En fait le pire c'est que j'ai toujours la même technique de combat le mec, c'est... On peut faire enfin un combat digne. Bim. What? Me dis pas qu'il va me tuer déjà. Il est fort quand même. Non. Wouah! Il est hyper fort! Cynthia! Michel! On va enfin commencer à s'amuser! Les fils d'Ortan vont vider ton cadavre et le retourner! Il sera épicé, tranché et glacé! C'est un sauvage! En fait le problème c'est que j'ai appuyé trop vite. Donc du coup bah j'ai appuyé sur le carré normal. Starfall. Bon, je pense qu'on va arrêter cette vidéo là parce qu'on va pas continuer le massacre. Hein. C'est... Bah... Oh, t'inquiète, je vais faire un demi-tour. Oui, alors je peux vous dire que c'est un jeu hyper bien, j'adore ce jeu. Alors c'est juste que je réfléchis pas avant de jouer. Comme vous voyez, j'ai pas regardé mes niveaux et du coup j'attaque des trucs comme ça sans savoir quel niveau je suis. Du coup je suis sûr de crever quoi. Donc c'est ça le problème, voilà. N'oubliez pas, si un jour vous achetez ce jeu qui je trouve hyper bien, mais c'est que je sais pas jouer, si vous l'achetez, regardez vos niveaux avant d'attaquer et foncez dans le tas. Donc c'était Cochon Pas de Feu. Bye. Puis on peut pas sauter comme dans les autres jeux. On va faire... Bye bye, yo. Wouhou.